la construction du château de Guedelon à Trény en Puisaye. Dans une carrière abandonnée, le lieu idéal pour construire un château fort, avec tous les éléments de base, la terre. La teinturière. La teinture est faite à base de végétaux. Selon la plante, on utilisera soit les racines, les feuilles, les fruits ou l'écorce. Des végétaux à l'état sauvage ou cultivés comme la rhubarbe.
Et là, je commence par faire une face de référence plate sur laquelle on s'est posé dans les gabarits. Hein. Je vais tracer la forme du feu. Et ensuite, à partir de cette flèche, je vais attaquer la pierre. Ça fait un final. Avec celle-ci. En plus, elle est plus difficile à tailler. Et elle fait des poussières. Elle avoir une belle étanchéité. Et maintenant, comme elle ne peut plus passer par en dessous, elle essaye de passer par les côtés. Mais vu là, il y a une petite flaque là où vous êtes. Bah, tout à l'heure, il y avait de l'eau qui coulait là. Quand la réserve était prise. Hein, donc tout ça, c'est par-ci de coup. Alors la dernière émission, une moyenne en gros là-bas, de 60-90 secondes. Mais la pression n'est jamais la même. Vous seriez venu en mai, j'ai réussi à faire tourner le moulin sans ouvrir la vanne. C'est passé par-dessus. En juillet, on a eu tellement d'eau, juin-juillet, que y avait la rivière a formé une galerie souterraine. À un moment, avec mon collègue Meunier, hein, on était là, on ne comprenait pas pourquoi il n'y avait plus d'eau. Et bien, il y avait un trou là. La rivière, ça n'allait pas assez vite pour elle. Elle avait percé une galerie, elle sortait directement là-bas. Hein, en fait, la rivière, elle va toujours essayer d'enlever ce que vous faites. La digue que vous voyez là, c'est la troisième version. En 3 ans, elle a été arrachée 2 fois déjà. Une fois par-dessus, une fois par-en-dessous. Moi, je me rappelle.